Amis téléspectateurs, une fois merci. Merci puisqu'il a plu au Seigneur de nous donner encore une fois cette occasion pour pouvoir nous retrouver ensemble avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité merveilleuse qu'il nous accorde de nous tenir devant vous dans le cadre de cette émission que vous aimez tant, l'émission Parole de vérité. Nous vous saluons, nous vous disons vraiment que Dieu vous bénisse richement partout là où vous êtes en train de nous suivre. Qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir abondamment, de vous bénir richement, de vous bénir suite à votre fidélité, à votre amour, à votre attachement à cette émission. Là-dessus, nous saluons également tous ceux qui nous suivent sur les petits écrans. Peut-être vous nous suivez dans votre salon, vous nous suivez dans votre chambre, vous nous suivez dans vos bureaux. Et un peu partout, nous vous disons vraiment merci là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse également tous ceux qui sont tentés de nous suivre sur Internet. Hein. Tous les internautes, vraiment nous sommes heureux de tout ce que vous ne cessez d'écrire pour nous aider à cheminer si bonnement, n'est-ce pas, dans le cas de cette émission. Nous vous disons vraiment merci. Nous ne cesserons de vous remercier et nous ne cesserons d'accueillir à bras ouverts toutes vos suggestions, tout ce que vous nous suggérez, tout ce que vous nous déposez comme message, vous déposez sur notre site. Vraiment, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, nous avons toujours dit que l'émission Parole de vérité, c'est notre émission, c'est votre émission, c'est l'émission de nous tous. Ainsi, la fois passée, nous avons parlé d'un thème très important, à savoir le respect du sacerdoce. Le respect du sacerdoce, autrement dit, le respect du ministère. Comment respecter ce que l'on a reçu de la part du Seigneur. C'est pour cela que nous avions des invités de taille que nous avions reçus la fois passée. Suite également à la réclamation de beaucoup de gens, nous allons continuer encore une fois à recevoir nos invités. Ils sont les mêmes. Vous aurez le temps de les découvrir ensemble avec moi. Déjà, quelques-uns les ont vus. Je commence à celui qui est à ma gauche, le Véran. Est-ce que vous pouvez présenter encore une fois auprès de ceux qui nous suivent, madame? Merci pour m'avoir accordé la parole. Souvent, on m'appelle Daniel Junior Zaba. Je suis serviteur de Dieu, pasteur au Shalom Tabernacle ici à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Et à ma droite, il y a aussi un autre serviteur. Il va pouvoir se présenter. Révérend, pouvez-vous présenter? Moi, c'est votre frère Joseph Batubala. Je suis serviteur de Dieu et croyant du message prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Ok. Merci beaucoup, Révérend. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de cette émission Parole de vérité. La fois passée, nous avons parlé d'un thème aussi important, comme je le disais tantôt là. C'est un thème qui a beaucoup intéressé les gens, le respect du ministère ou le respect du sacerdoce. Comment nous devons marcher dans le cadre du respect de l'appel, dans le cadre du respect du ministère, dans le cadre du respect de ce que le Seigneur nous a donné comme tâche. Et nous avons suggéré certains comportements, combien regrettables, qu'affichent aujourd'hui certains serviteurs de Dieu dans le cadre de cette marche ou dans le cadre de leur cheminement dans les ministères ou dans l'appel qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Et nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup de gens nous ont appelés pour nous dire que effectivement nous devrions faire la suite de cette émission puisqu'il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de matières la fois passée et puisque cette émission, c'est l'émission des téléspectateurs, c'est l'émission de tous les internautes. Nous ne faisons que respecter ce que les exigences ou leurs demandes. Alors, sans plus tarder, je retourne du côté de vous, révérend. Nous avons demandé la fois passée, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de respecter encore les ministères? Est-il encore possible aujourd'hui de marcher dans la crainte de Dieu? Est-il encore possible aujourd'hui de marcher selon l'appel qu'on a reçu à la lire où vont les choses? Oui, oui, je pense que la fois passée, on avait eu un peu l'audace de répondre à votre question. Parce que
Le saint prophète William Branham a dit, dans chaque âge et dans chaque époque, même dans un quartier, dans une église, donc dans chaque milieu public, Dieu ne manque pas les témoins. Donc, il doit y avoir des hommes qui doivent marcher dignement selon les appels et qui doivent respecter Dieu, qui doivent honorer Dieu jusqu'à la fin de leur mission. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Si, il y en a. Est-ce qu'on peut en trouver encore? Il y en a plusieurs, comme moi j'en connais, bon, comme nous sommes sur le plateau, je ne sais pas comment citer les noms. Donc vous confirmez que c'est possible aujourd'hui que l'on puisse parler qu'il y a des serviteurs de Dieu qui marchent selon l'appel qu'ils ont reçu, qui respectent l'appel qu'ils ont reçu. On peut le dire, il y en a encore. Il y en a encore, parce qu'au moment où on avait donc... poursuivi Élie pour le tuer par Akab et sa femme. L'Éternel a dit que malgré la poursuite d'Élie, il y en a encore quelques-uns que Dieu lui-même a réservé pour rendre, donc relever les défis. C'est que la Bible appelle les 7000 qui 7. N'ont pas fléchi si, les genoux devant Baal. Devant Baal. Le verran, est-ce qu'il y a encore, on peut parler qu'il y a encore les 7000 je rappelle à tous ceux qui suivent, que nos invités, c'est un point très important que je dois souligner. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais ils œuvrent dans le cadre du message du frère Branham. Donc ce sont des serviteurs de Dieu, prédicateurs du message du frère Branham. Révérend, je voudrais savoir, peut-on parler encore aujourd'hui des 7000? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des 7000? Oui, il y en a. Comme mon collègue vient de le dire, frère Branham dit que Dieu ne manque jamais de témoins. Mais seulement, il nous dit qu'il y a des choses qui écroulent souvent des serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont appelés vraiment à respecter vraiment les sacerdoces. Mais frère Branham dit qu'il y a trois choses qui écroulent souvent le serviteur de Dieu. La première des choses, c'est la popularité. L'autre chose, c'est le fame. Et l'argent. Il dit que c'est cela les trois choses qui écoulent souvent le prédicateur. Comment cela peut-il, ces trois choses, comment peut-il écrouler un serviteur de Dieu? Oui, il dit, je peux dire cela, oui. Parce que je ne veux pas faire de faveur, il faut que lui-même nous donne l'éclaircissement. Dans le message, le berger de la bergerie, il dit quelque chose. Depuis le paragraphe 16, il dit ceci. Il y a quelques soirées, je viens de là. Il y a plutôt quelques mois, je venais de La Réunion et j'étais découragé en Californie. Et mes réunions avaient échoué lamentablement. Et j'avais promis au Seigneur que jamais il me décevait. Quand j'ai commencé dans le champ missionnaire, je sais qu'il y a deux ou trois choses auxquelles un ministre doit veiller. Et l'une, c'est l'argent. Donc, l'argent, la popularité, le fame et autres. J'ai donc fait une promesse à Dieu. J'ai découvert que Samson était tombé à cause de Delila, la femme. Et j'ai découvert que Saül était tombé à cause de l'orgueil et Balaam était tombé à cause de l'argent. Et toutes ces choses ont été écrites pour qu'elles nous servent d'exemple. Voilà les trois choses que nous devons veiller dans l'œuvre sacrificature. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui dans le monde des serviteurs de Dieu. Alors nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous avons vraiment des criminels derrière la chair. Il y a des gens qui commettent vraiment des gaffes terribles. Ça, c'est terrible. Quand vous dites qu'il y a aujourd'hui des criminels, c'est grave. Mais ce sont des... Vous-même, vous en êtes témoin, papa, para. Nous ne voulons pas faire. Si on est renversé par la parole de Dieu, nous devons être renversés. Si moi, je suis ministre tel que je suis, et que la parole de Dieu me renverse, je dois être renversé par la parole. Ça ne peut, je ne peux pas avoir honte. Je dois dire de ce qui se passe dans le camp. Et c'est la honte aujourd'hui dans le sacrificature. Les gens qu'on pouvait compter
que ce sont eux qui pouvaient vraiment ramener vraiment notre nation, et ce sont eux qui font la honte. Alors vraiment, c'est la honte terrible dans le sacrificateur aujourd'hui. Donc il n'y a pas le respect de Dieu, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Merci beaucoup. Je rappelle que l'émission que vous êtes en train de suivre, c'est l'émission Parole de vérité. Cette émission passe sur la chaîne Show TV. Également sur la Show TV, la fréquence de 305.25 MHz, et également sur internet, vous tapez www.kabundiwalesa, émission Parole de vérité. Vous aurez le temps de suivre nos différentes émissions, tout ce que nous avons fait comme émission. Vraiment, je pense que vous serez réconforté. Alors, révérend, je me retourne du côté de vous. Selon si je suis bien le pasteur, il a dit, il y a les femmes, il y a l'argent, et il y a le succès ou l'orgueil. Alors, il a donné l'exemple, selon ce qu'il vient de lire, il a dit, Samson était tombé à cause des femmes, et puis Saül à cause de l'orgueil, et Balaam à cause de l'argent. Je ne sais pas si vous appuyez cela aussi. C'est correct, parce que la bouche qui vient de parler, c'est la bouche de Dieu. Quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle. Mm-hmm. Alors, c'est confirmé. Si vous entrez même pour faire le titre personnel, vous verrez que c'est l'argent qui écoule beaucoup de cette vie de Dieu et de femmes, et qu'on me voie aussi que je suis quelque chose. Et les autres sont allés pour faire la magie, faire des pentacles, signer les contrats avec les diables pour avoir du succès. Et tout ça, ça écroule les gens que Dieu s'attendait. Parce que pour que Dieu fasse quelque chose dans le domaine spirituel, il doit chercher un homme. Comme il le dit ici, écoutez un peu ce que Frère m'a dit ici dans un message intitulé « Un homme appelé de Dieu ». Le frère Branham a dit au paragraphe 36. Mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans les domaines du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Il le voit, il l'envoie, et celui-ci ne recule pas devant rien pour s'acquitter de la tâche. Voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans sa puissance de résurrection. Donc, Dieu en souffre, hein? Dieu aujourd'hui, donc Dieu est malade. Il cherche quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance, quelqu'un qui s'avancera pour s'acquitter de la tâche. C'est pourquoi quand Dieu trouve quelqu'un, comme par exemple Wallace ici, Dieu voit que non, cet homme-ci, vraiment, je dois mettre ma confiance en lui. Malgré les résidus des gens parlent, les gens critiquent. Mais Dieu a trouvé bon que non, je dois mettre un peu ma confiance dans cet homme pour relever les défis de la ville de Kinshasa. Parce que Kinshasa, du côté spirituel, Kinshasa est tombé. Du côté spirituel, Kinshasa est tombé. Mais Dieu ne pouvait pas manquer un témoin pour relever un peu les défis. C'est pourquoi pour moi, d'après moi, ça m'engage que moi. Dieu a eu un témoin, afin qu'il puisse vraiment relever les défis lancés dans le monde des religions. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'on a besoin d'un homme digne de confiance, un homme en qui Dieu peut mettre sa confiance. Est-ce que Dieu peut mettre sa confiance dans quelqu'un qui poursuit l'argent, quelqu'un qui suit le jupon, quelqu'un qui suit, qu'on me voit aussi, que Balo Bapenanga, Ngapena Zalapemoutou, Zamba Kocha Penza, et confiance dans Nakacha Mouto Bongote. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1er, vous verrez que Élie était sacrificateur dans la maison de Dieu. Quand ses enfants ont commencé donc, à bouffonner, donc, à déranger les femmes, vivre comme n'est pas les gens qui étaient vraiment dignes de l'évangile, Dieu a intervient avec un petit Samuel pour relever le défi. Samuel, c'était l'enfant de la femme Anne qui manquait de l'enfant. Mais quand il priait, il a dit que si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer pour toi. Et Dieu a exaucé la prière parce qu'il avait dit l'intérêt. Que pour relever le défi de cet homme élite, ses enfants commencent à déranger la sacrificature, je dois donner un enfant à cette femme. Et textuellement, quand Samuel est venu, Dieu a parlé à Samuel. Samuel a récupéré le bâton de commandement pour relever le défi. Et Dieu a exterminé les enfants d'Élie. C'est pourquoi le respect dans le service de Dieu est obligatoire. Ose à la lambong, ose à la lambong, mais nous devons respecter Dieu. Le frère Branham dit quelque chose ici. Il dit que vous devez respecter Dieu. C'est une déclaration très forte que je vais déclarer maintenant, mais que
les gens qui écouteront ceci puissent nous pardonner, mais nous lisons le frère Banham. Frère Banham m'a dit, il n'a pas d'autre main que ma mienne, que celle de Kabundu Alessa, que celle de Pasteur Joseph, que celle de vous, Papa Para. Dieu n'a pas d'autre main, Dieu n'a pas d'autres yeux, Dieu n'a pas d'autre bouche qu'il peut parler. Aujourd'hui, il cherche seulement quelqu'un de confiance pour parler, pour travailler, pour guérir les malades. C'est pourquoi quand vous verrez quelqu'un dire que non, Kabundu Alessa, chez lui, il y a des miracles à Simba Boye, à Sali Boye. C'est-à-dire que lui, cet homme qui parle là, manque que Dieu ne peut pas mettre sa confiance en lui. Parce que la fois passée, on avait lu le frère Banham dire que non, quand quelqu'un commette le péché ou fasse des choses qui n'est pas digne de l'évangile, il est conscient que Dieu est absent dans son cœur. Mais si quelqu'un est conscient que Dieu est dans son cœur, il ne fera pas de bêtises, il va craindre Dieu. Il va craindre Dieu. Il va craindre, parce que c'est qu'il est là, il est là, il est présent. Ah, donc si quand quelqu'un arrive à faire ces bêtises, c'est que dans son esprit, dans sa conscience, il s'est dit que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, il est absent. Mais quelqu'un qui sait que Dieu est là à côté de moi, il doit craindre. Il ne peut pas le faire, parce qu'il marche avec lui. Il marche avec lui. Écoutez, Fadamdi. Oh, dans le message intitulé, l'Éternel n'a-t-il pas parlé qu'à l'Éternel n'a-t-il que parlé à Moïse, au paragraphe 63, le frère Banham dit, soyez respectueux. Oh là là, si seulement je pouvais éradiquer ces critiques, vous vous acharnez sur vous, ne le faites pas. Vous faites obstacle à l'action de Dieu. Dieu vous frappera de quelque chose, je suis sûr que je me tiens du haut de cette chair. Vous êtes en train de gêner les autres. Quand quelqu'un critique un homme que Dieu a mis sa confiance pour relever les défis, c'est à Dieu qu'il critique. Et le frère Banham confirme en tant qu'un prophète, il dit que Dieu vous fera quelque chose de réel pour vous humilier, pour vous montrer que vous combattez les vents. Dieu va vous humilier. C'est pourquoi la réponse de Dieu vient d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu va commencer à vous humilier, vous n'allez pas connaître que non, ça c'est l'humiliation de Dieu. Et pourtant, Dieu te dit que oh, c'est le commencement. C'est le commencement de l'humiliation de Dieu. Dieu va vous humilier. Dieu va vous humilier pour vous montrer que non, cet homme que vous combattez là, c'est mon serviteur. C'est mon enfant en qui j'ai mis ma confiance. C'est pourquoi Fermat dit que nous devons respecter, avoir le respect. Merci beaucoup, révérend. Puisque vous avez parlé tout à l'heure là, du pasteur Claude Kabundu Alessa, c'est une occasion pour pouvoir les saluer également. Révérend, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse également votre chère épouse Maman Angèle, qu'il bénisse toute votre famille, tous les serviteurs du centre de réveil, que Dieu vous bénisse. Alors, si la technique elle est prête, nous allons suivre un élément. Et puis nous allons retourner encore une fois. Nous allons suivre un peu comment il conçoit les choses. Quelle est sa conception des choses dans le respect du ministère, dans le respect du sacerdote. Et comment il évolue. Suivons un peu cet extrait. C'est la technique. Lui ensemble avec sa femme, il craint Dieu. Amen. Hein? Amen. Mon souci est que toute l'église, que nous craignons Dieu. Moi, j'ai de faiblesse. Je n'aime pas le mal. Amen. Amen. Je n'aime pas le péché. J'ai traité l'alliance avec Dieu sanctification. Afin d'amener l'église dans la sanctification. Amen. Amen. Que l'église ne soit pas dans l'impudicité. Orgueilité. Qu'il ne soit pas dans l'orgueil. Convoitise du monde. Qu'il ne soit pas dans la convoitise mondaine. Amen. Amen. Cupidité. Qu'il n'y ait pas la cupidité à l'église. Vie à sanctification. Que la vie de sanctification demeure. Pour esprit ensemble. Afin de remettre l'esprit de Dieu. Dans l'église. Pour empêcher tout ce que nous voyons, les mauvaises choses. Si tu es à mes côtés. Tu commets le mal. Je vais te suspendre. Au salim abe, tu commets le mal. Na conseil na tionasi. Je te conseille, je te suis. Ce qui n'a mon oso changé. Si je vois que tu ne changes pas, na benganiyo. Je te chasse loin de moi. Bible c'est ce que la Bible déclare.
Plusieurs partent. Je leur ai prouvé l'amour. Je leur ai aidé. Je priais pour eux. Mais j'ai une faiblesse. Ceux qui osent continuer dans ma vie. Si tu es dans la continuité de mal. Surtout Kindumba. Surtout la pudicité. Et être traître. Ma bende kozala na mutoaza traître. C'est très mauvais de demeurer avec un traître. Traître aza mutoa biente. Un traître est vraiment c'est un méchant. Il peut te tuer. Amen. Amen. Osomana que David a kimaké pas Saul. Tu vois, David s'est éloigné de Saül. Parce qu'il prouvait l'autre visage. Mais il cherchait à les tuer. Comme j'ai mes enfants serviteurs. Je n'ai pas besoin que vous soyez des traîtres. Pas les pudicités. La crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, je vais te chasser. Parce que j'ai besoin de former les enfants qui craignent Dieu. Si tu pars, vous partez faire un groupe. Afin de me salir. C'est très difficile. Pas, il faut que nous voyions Jésus Christ. Tu dois d'abord partir dire à Jésus. Jésus Christ. Jésus Christ. Je te demande. Abandonne Wallace. C'est alors que tu verras Jésus monter de ses cœurs. Relation mais comme j'ai une très bonne relation Jésus Christ. Avec Jésus Christ. C'est très difficile. Il est très difficile. Même si vous me combattez comment. Même si vous me dites qu'on a vu Wallace. Quelque part. Quelque part. Oui, nous venons là de suivre cet extrait de la bouche de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Apparemment, ce que nous venons de débattre là, il y a quelques instants, et ce qu'il vient de dire, je vois pratiquement ça se marie. Je ne sais pas votre point de vue en écoutant ce que l'homme de Dieu vient de dire. Alors, ce qu'il vient de dire, vraiment, c'est l'exacte vérité. Kindumbate, orgueilité, cupidité. Si tu es à côté de moi et si tu ne te conformes pas à ça, ça ne marche pas. Il va te chasser. Comment vous réalisez cela par rapport à ce que nous venons aussi de dire? Mais c'est ça ce que nous venons de dire. Frère Banham l'a confirmé. Parce que lui, Frère Banham dit que vous ne pouvez pas mettre le pas à quelqu'un si vous-même vous êtes incapable de mettre ce pas-là. Vous voyez que lui, tout d'abord, il a l'expérience. Il a d'abord vaincu la cupidité. Donc c'est quelqu'un qui a déjà vaincu l'argent. Donc il a cette vertu-là en lui qui lui a fait vaincre vraiment l'argent. C'est pourquoi il invite aussi les autres qui l'entourent de vaincre aussi la cupidité. Alors c'est un grand héros. C'est quelqu'un qui a de l'expérience qu'on ne peut pas servir en dehors d'une expérience personnelle. Aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui se sont autoproclamés eux-mêmes. Des gens qui ne sont pas mandatés de Dieu, mais qui eux-mêmes se sont mandatés. C'est pourquoi nous avons beaucoup de CAF dans le ministère aujourd'hui. Vous avez dit, on ne peut pas servir Dieu en dehors de ses expériences personnelles. Non, on ne peut pas servir Dieu sans expérience, sans une expérience personnelle. Frère Banham dit que vous devez rencontrer Dieu, faire une expérience personnelle. C'est alors que vous allez servir Dieu. Mais nous voyons que cet homme, le Kabundu Alessa, c'est quelqu'un qui est expérimenté. C'est pourquoi vous voyez, il y a tant de critiques. Il y a tant de choses qui sont dites accomplies dans son ministère. Tout cela, c'est une confirmation. Dieu confirme parce que Dieu lui-même fait sa propre publicité. On ne doit pas faire la publicité pour Dieu, mais Dieu lui-même doit faire publicité dans un ministère quelconque. Tout à l'heure, le pasteur Daniel venait de dire que Dieu aussi a un besoin. Dieu est à la recherche des personnes, Dieu est à la recherche des cœurs, Dieu est à la recherche des personnes qu'il peut utiliser dans les ministères, des gens qu'il peut se servir. C'est-à-dire, Dieu est à la recherche des hommes aujourd'hui. Oui. Nous avons vu la situation qui s'est passée dans notre pays, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, que dans la République démocratique du Congo, la situation était devenue tellement grave au moment des élections que beaucoup de gens, certainement, ne savaient plus qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous pouvons faire. Tout le monde s'apprêtait à... Il y en a qui cherchaient à fuir, d'autres qui cherchaient à traverser, aller vers Brazzaville, d'autres qui s'approvisionnaient déjà de la nourriture dans la maison, ne sachant plus qu'est-ce qui va devenir. Et maintenant, dans ces flous-là, nous avons vu Dieu utiliser son serviteur, le pasteur Claude Kabundu Alessa,
Dieu lui donnait un message. Il envoie un message à partir du Zimbabwe, au moment où tout était dans le noir, au moment où tout était dans le chaos, au moment où tout était dans l'incertitude. Ça, il ne faut pas mâcher les mots, ça, il faut le dire. Il a dit ouvertement, il n'y aura pas de la guerre. L'émission précédente, nous avons fait mention de la remise du brevet de journalistes qui étaient venus de Lubumbashi. Et ces journalistes ont également épinglé cela. Alors, je ne sais pas, quand vous dites Dieu est à la recherche des hommes, peut-on parler aussi que Dieu aussi a trouvé quelqu'un aussi dans les pasteurs Claude Kabundu-Alessa? Mais ça... Puisque je crois que c'est difficile pour vous, les prédicateurs du message de Frère Branham, croire qu'en dehors des pasteurs Branham, Dieu peut utiliser encore un autre. C'est difficile, mais je ne sais pas si vous, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Non, ça, selon mes convictions personnelles, Frère Branham ne m'a pas enseigné qu'en dehors de lui, il ne peut pas aussi utiliser quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'a jamais été jaloux. Je pense qu'il avait appelé Paul. Paul, il était messager, il était prophète, il était apôtre. Mais au même moment, il y avait aussi Akabis qui était le prophète. Il avait même prophétisé pour la famine. Alors c'est pour montrer que Dieu et sa puissance est infinie. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est infini et il est surnaturel. Sa façon de faire... Sa façon de faire... Ne peut être comprise. Oui, oui. Lui-même, il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Il utilise quiconque il veut. Il est souverain. C'est pourquoi nous ne pouvons pas marcher le mont ou bien aller au dos de la cuillère. Dans cette ville, dans notre pays, Dieu a trouvé quelqu'un. Ça ne peut pas me faire du mal de le dire ouvertement comme je l'ai dit. Parce que Frère Branham a reçu cela, il dit, mais quand vous voyez des hommes dénigrer quelqu'un d'autre, alors qu'il est prouvé que cet homme accomplit une bonne œuvre, alors il y a un motif égoïste là derrière. C'est soit pour l'argent, soit pour la gloire. Parce que les gens aujourd'hui, ils aiment toujours qu'on parle d'eux. Ça sont des motifs égoïstes. Mais Dieu est souverain et sa puissance est illimitée. S'il trouve bon d'œuvrer dans le ministère de Pasteur Kabundu-Alessa, il est souverain. Notre problème à nous, c'est de nous tenir derrière ce ministère puissant. Parce que le ministère, même Frère Branham dit que quand Dieu place un don dans quelqu'un, ce don-là, c'est nous qui sommes le bénéficiaire de ce don. Ce n'est pas son don. Si Dieu met un don dans vous, papa, pareil ici, c'est moi qui dois être le bénéficiaire de ce don-là. Ce n'est pas pour vous. C'est pourquoi moi, je dois me réjouir avec le ministère de Pasteur Wallace. Parce que c'est mon ministère. C'est moi qui est le bénéficiaire de ce ministère. Révérend Daniel, merci beaucoup, Pasteur Joseph. Je retourne vers vous, Pasteur Daniel. Est-ce que vous êtes d'accord que vous, surtout généralement, on les sent souvent dans les milieux dits branhamistes. Donc il n'y a pas, Dieu ne peut pas parler, Dieu ne peut pas agir, Dieu ne peut pas utiliser un autre serviteur si ce n'est les pasteurs, les frères Branham. Et puis, je ne sais pas. Parce que c'est, vous également vous appuyez, vous également vous épousez cette logique, cette façon de voir les choses. Dieu peut aussi utiliser d'autres serviteurs. Permettez-moi les termes. Si vous écoutez un prédicateur définir comme ça qu'en dehors de Frère Branham, Dieu ne peut pas utiliser un autre prédicateur, il est mal enseigné. Permettez-moi les termes. Parce que Ephésiens chapitre 4 dit quoi? Il a établi d'autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs, mais lui, Jésus-Christ, comme les grands pasteurs des pasteurs. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 12, nous avons des dons. Il y a des prophètes, il y a la prophétie là-bas, il y a les visionnaires. Mais comment on peut dire que non, tous c'est Branham? Non, non! Branham a sa part en tant que messager de l'âge. Alors, en dehors de Frère Branham, lui, en tant que messager de l'âge, il y a aussi des enfants qui doivent naître dans son ministère. Il y a aussi des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui doivent sortir de par-ci, par-là. On ne doit pas dire que non, en dehors de Branham, ce n'est pas que Branham. Non, non, non. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Frère Branham nous a dit, lui, il est prophète. Ce n'est pas dire que non, lui a englouti toute la puissance de Dieu en lui pour ne pas servir à d'autres personnes. Non, non, ce n'est pas comme ça. Il y a aussi d'autres gens que Dieu peut utiliser, Dieu peut parler et le message correct. Dans le temps de Frère Branham, on a dit Tommy Osborne.
un pentecôtiste confirmé. Dieu l'accompagnait puissamment avec le miracle, le signe, le prodige. Et Frère Branham dit que non. Donc, j'ai vu Dieu accompagner Tommy Osborne d'une manière extraordinaire. Il disait même au Branham à Tabernacle que ce soir, Tommy Osborne a une réunion. Je vous envoie, allez-y. Et vous verrez comment Dieu utilise cet homme-là. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Est-ce que c'est trouvable ce passage? C'est trouvable, si c'est possible, je vais l'amener à la chance prochaine parce qu'on n'avait pas préparé, ça. Et il reconnaît le ministère de Tommy Osborne. Il le reconnaissait, il disait même au Branham Tabernacle, allez-y, vous verrez ce que je vous dis est la vérité, Dieu l'accompagne puissamment. Est-ce qu'aujourd'hui, révérend, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible que, par exemple, disons, le pasteur Walesa a une grande action, tir triomphal, boulevard, est-ce que les branhamistes, conformément aussi à ce message, à cette prédication, peut-il demander aux gens, allez vous dire, est-ce que c'est possible aujourd'hui aussi, puisque... Vous savez, le problème, l'identité, la popularité, la femme et l'âge. Comment moi je veux qu'on cite mon nom, que je sois seulement moi? Je ne dirais pas. Mais si je sais que non, mon frère là, il a un don. Dieu a fait grâce à lui. Il a un don qui peut m'aider dans mon ministère. Je veux dire à mes croyants d'y aller. C'est pourquoi je vous dirais que la révélation est personnelle. Mais la manière que moi je conçois les choses, ce n'est pas la manière que d'autres doivent concevoir. Alors, pour moi, avec mon assemblée, et j'étais au triomphal d'eux, j'étais là. Avec ma femme, avec mes croyants, j'étais là. Qu'est-ce que j'ai perdu? Je n'ai rien perdu. Et au contraire, on a gagné. On a gagné parce qu'on était vraiment nourri spirituellement. On a gagné. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu est à la recherche des hommes. Dieu est à la recherche des gens à travers lesquels il peut se manifester, à travers lesquels il peut parler, à travers lesquels il peut utiliser, il peut faire des choses. Nous avons tout à l'heure, vous avez estimé, c'est vous qui avez cité le cas de Pasteur Claude, quand vous nous ça, ce que Dieu a fait avec lui, avec les messages qu'il avait apporté ici au Congo, un message de paix, et plus tard ce message est allé jusqu'à la dédicace de la RDC à l'Éternel. C'est quelque chose depuis que ce pays existe, je dirais depuis que même certains pays africains et certains pays du monde, hormis peut-être les États-Unis où il y a eu un peu des George Washington, des chrétiens, des gens qui avaient dédié. Mais c'est difficile de voir un chef de l'État dédier le pays à l'Éternel à partir d'un conseil émanant par exemple d'un serviteur de Dieu. Écouter et dédier le pays. Moi je pense que c'est... Je ne sais pas quelles sont vos impressions quand vous dites que Dieu est à la recherche des hommes à travers lesquels parler. Vous savez, quand Dieu donne un message, il doit être derrière son message pour les enfants. Je sais que vous le comprenez. Dieu ne peut pas donner un message et ne pas le confirmer. Ça, c'est la confirmation que le message de Claude, quand vous voyez ça réussir, c'est une vérité incontestable. Parce que voir un président de la République honorer le message d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas ordinaire, c'est Dieu dans la scène. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est Dieu qui est derrière. Et Frère Branham dit que Dieu est derrière tout mouvement. Et rien n'arrive au hasard. Comme aujourd'hui, je viens d'écouter par-ci, par-là, il y a aussi des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui s'infiltrent dans le message donné par le pasteur Wallace, c'est que non, c'est moi qui avais donné ce message-là, que non, on devrait dédier le pays dans la main du Seigneur, parce que, mais bon, j'étais désemparé, j'étais étouffé. J'ai dit, mais quel jour que tu as publié ça? Tu avais ça, mais tu gardais, pour que quand ça va s'accomplir, tu vas dire que non, c'est moi qui avais prophétisé ça. Et pourtant, cet homme de Dieu, comme je viens de le lire ici dans l'homme appelé de Dieu, fait même disant que non, Dieu cherche un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et cet homme doit avancer. Il ne recule pas pour s'acquitter avec la tâche. Claude Evangeliste Kabundouale, quand il a eu son message là, il a fait tout pour que son message puisse sortir. Quand on avait eu des embuscades, des barrières pour qu'il ne puisse pas voir le président de la République, il a déclaré du haut de la chair, pour qu'il puisse vraiment faire sortir la pression. Comme Dieu est dans, on l'a appelé. Il a déposé la chose à côté. Et c'était honoré. Pourquoi pas? Parce que le pays, la République démocratique du Congo, était vendu dans la main du diable depuis Mobutu.
Je pense que tout le monde le connaît. Même avant Mobutu. Oui, même avant Mobutu. Même sous l'époque de Léopoldé, ces gens-là, qui, mais c'était des gens qui ne connaissaient pas. Mobutu a déclaré que non, j'ai fait alliance avec Satan pour le Congo. Même s'il faut pactiser avec les diables, voilà, nous allons le faire. Tout le président qui est entré dans l'arène, aucune révélation, aucun pasteur, aucun évangéliste qui pouvait maintenant démolir cette barrière-là. Mais voilà comment Dieu a fait avec Claude Kabila. Il a dit que non, on doit remettre le Congo dans la main du Créateur. Et je suis sûr, malgré les embuscades, malgré les barrières, malgré les obstacles, malgré la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ce message est en train de produire des fruits que nous voyons avec nos yeux et nous disons que ça, c'est de l'éternité. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'aller tout doucement à la fin de cette émission. J'espère que beaucoup de gens auront encore à nous appeler pour nous dire que vraiment nous devons continuer. Mais je rappelle que cette émission, c'est l'émission Parole de vérité, une émission qui passe sur la chaîne Show TV et qui passe sur Internet dans les sites de 3W, Kabundu Alessa, émission Parole de vérité. Et révérend, je vous donne, c'est presque nous sommes vers la fin de cette émission, je voudrais que vous puissiez aussi dire quelque chose autour de ce que l'homme de Dieu vient de dire concernant Dieu est à la recherche des hommes avec qui il peut cheminer, avec qui il peut travailler, des hommes capables de faire, d'exposer publiquement la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelles sont vos impressions là-dessus. Bon, je veux parler brièvement. Ce qu'il dit, c'est l'exacte vérité. Dieu est à la recherche des hommes qui peuvent les démontrer. Parce que c'était ça son ambition depuis le jardin d'Adam. Quand il avait créé l'homme Adam, il lui avait revêtu de son autorité suprême. Adam était Dieu sur la terre. Il avait l'autorité, il avait la puissance. C'est lui qui dirigeait toute la nature. Et quand il a péché, alors cette puissance est retournée à Dieu. Mais on avait aussi reçu une promesse que dans le dernier jour, Dieu devait restaurer son Église. Et l'Église, ce n'est pas le 4000. L'Église, c'est une personne. Ce sont des individus. C'est un individu parmi tant d'autres. Et si aujourd'hui nous voyons Dieu prendre quelqu'un, un homme, et l'utiliser puissamment, voilà l'adresse où Dieu demeure. Et si je peux aussi inviter les gens, je vais l'inviter là où Dieu règne. À l'adresse précise. Parce que Dieu, c'est la précision. Dieu, ce n'est pas un monde qui a un peu de brouillard. Alors, je pense que c'est cela ce que je pouvais aussi ajouter. Merci beaucoup, révérend. Pasteur Daniel, vous avez un mot pour cette émission que nous avons dans ce thème aussi à l'échange. C'est un thème très important. Nous avons dit le respect du ministère, le respect de l'appel. Comment aujourd'hui marcher dans le respect de l'appel, dans le respect du ministère qu'on a reçu de la part du Seigneur? Je peux dire pour terminer que les hommes de serviteurs de Dieu ne sont pas influencés. Nous devons être sûrs que nous sommes appelés de Dieu et nous devons travailler avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Nous devons travailler avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Oui, parce que nous sommes les ouvriers engagés par quelqu'un d'autre. Et nous aurons notre paiement à la fin de notre travail. Autrement dit, nous aurons des comptes à rendre. Oui. Vous appuyez cela? Oui, j'appuie cela. Nous aurons un compte à rendre. Chacun de nous va rendre compte. Que les gens ne croient pas qu'être prédicateur, vraiment, c'est de voter, être c'est un star. Plaisir. Non, c'est un grand travail. Un privilège. Un grand travail. Ça coûte. Les gens que vous amenez à l'affaire là, vous payerez. Vous payerez. Vous trouverez un pasteur star. C'est grave. C'est grave. Et pourtant, on devrait être vraiment à genoux à chaque minute, à chaque heure, demandant la grâce de Dieu. C'est grave. Ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Merci beaucoup, révérend. C'est déplorable. Mais je retiens quelque chose de plus important, de plus réconfortant. Vous avez dit qu'il y a
il y a encore les 7000. Les 7000. Il y a encore ces 7000 qu'il réserve toujours. Ça, c'est un message très important, un message qui nous a réconfortés. Je rappelle que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à partir de la France, à Paris. Nous saluons Papa Pompon et son épouse, sa chère épouse, Maman Nicolette, et leur bébé Arciel. Vraiment, nouveau bébé qui a été accompagné par beaucoup de miracles. Nous aurons le temps d'en parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également tous ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, qui nous suivent au Canada, en Angleterre, un peu partout, même ici à Kinshasa, au Congo, en Afrique. Une fois que Dieu vous bénisse. Et derrière la caméra, c'était notre bien-aimé Lipa Moto, et également Papi Kelly, ils étaient là. À la technique, nous étions aidés par notre cher frère Aimé. Que Dieu le bénisse également. Et une fois, nous vous disons merci. Merci, chef Acha. Merci, nous disons, à toute l'équipe Léon Kayoka. Nous disons merci à Marcus. Nous disons merci vraiment à tout le monde qui a pu nous suivre dans le cas de cette émission. Et moi, c'est votre bien-aimé. Certains m'appellent Papa Para ou Alessa. D'autres m'appellent Papa Valérie Okoka Batunanga. Que Dieu vous bénisse et vraiment à la prochaine. Merci beaucoup.